Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode des monuments historiques et aujourd'hui je vais vous présenter l'hospice du Grand Saint-Bernard. Bien sûr, si jamais vous n'êtes toujours pas abonné, n'oubliez pas de le faire, moi ça me soutiendra énormément et surtout ça me permettra de faire plus de projets similaires. Et donc sur ce, on est parti. Avant toute chose, je tiens à préciser qu'on est invité par Jean-Pierre Vouta, donc qui est chanoine à l'hospice du Grand Saint-Bernard, et évidemment sans sa participation et sans son aide, cette vidéo n'aurait pas été possible. Donc encore un grand merci à lui et sur ce on parle de l'hospice du Grand Saint-Bernard. Celui-ci se trouve au col du Grand Saint-Bernard, perché à 2473 mètres d'altitude, au sud de la Suisse et à quelques pas de la frontière italienne. C'est donc en 1130 que l'hospice voit le jour, et ce dernier ne ressemble pas du tout à ça, puisqu'il ressemble plus à une sorte de refuge. En effet, la première version de l'hospice est une sorte de grotte taillée à même la roche, qui permettait aux premiers voyageurs de s'abriter. Bien sûr, tout ceci n'est que temporaire, puisqu'une église va être ajoutée. Et en effet, celle-ci est mentionnée pour la première fois en 1125, et plus tard au XIIIe siècle, la grotte sera ajoutée à la structure. Mais avant d'aller plus loin, je vais vous parler de Saint Bernard, la personne qui a fondé tout ceci. Saint Bernard d'Aoste est un homme d'église né vers 1020 après Jésus-Christ. Il est issu d'une famille noble et va avoir une enfance relativement tranquille. Plus tard, il se tourne vers une vie religieuse pour devenir chanoine et aura la fonction d'archidiacre. Peu de temps après, il veut sécuriser la route qui mène de Londres à Rome. Ce parcours s'appelle la Via Francigena et est encore aujourd'hui utilisé par de nombreux pèlerins ou simples randonneurs. À l'époque, beaucoup de personnes empruntent ce chemin chaque année, notamment des marchands. Le passage des Alpes était l'une des étapes de ce périple et c'était un endroit très dangereux aussi bien à cause des conditions difficiles que de la présence de nombreux voleurs et pilleurs. Pour pallier ce problème, Saint Bernard va fonder ce qui deviendra l'hospice du Grand Saint Bernard. Ainsi, les voyageurs pouvaient s'y arrêter pour se reposer, se soigner si besoin et surtout pour être en sécurité la nuit. Aussi, Saint Bernard va fonder un autre hospice, l'hospice du Petit Saint Bernard, qui se situe au col du Petit Saint Bernard. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Le but de cet hospice était évidemment le même que celui de son grand frère. Mais si on en revient à Saint Bernard, ce dernier meurt dans la ville de Novare en Italie, le 12 juin 1081 ou 1086. Il sera ensuite canonisé en 1123. Outre les divers lieux portant son nom ainsi que sa notoriété dans le monde religieux, on connaît tous son nom pour une chose, les chiens Saint Bernard. En effet, cette race de chiens porte le nom des deux hospices qui furent fondés par Saint Bernard et qui eux-mêmes portent le nom de l'homme d'église. Pour en revenir à l'histoire de ce lieu, ce dernier va fortement changer au fur et à mesure des siècles. Comme je vous l'ai dit, au XIIIe siècle, il s'agit que d'une sorte d'église, mais au XVIIe siècle, tout ceci va fortement changer. Déjà, l'église va être agrandie, ensuite un réfectoire va être ajouté de même qu'une salle, une seconde salle, une cuisine et même des contreforts vont être ajoutés. Plus tard encore, en 1685, l'église va être refaite et va surtout être surélevée d'un niveau, et plus tard, ce sera au tour de l'hospice d'être relevé d'un niveau, mais ceci au XIXe siècle. Aussi, une annexe hospitalière va être ajoutée et elle va être construite de 1894 à 1899. Également, une passerelle va être construite entre l'hospice et l'annexe, et cette dernière deviendra en 1925 un hôtel. Aujourd'hui, l'hospice n'a pas tellement changé. Évidemment, il a connu divers travaux, des réparations, etc., mais rien de très important et de notable. Mais ce qui est incroyable, c'est que c'est un lieu qui a été fondé en 1130, et depuis tout ce temps, eh bien, il n'a jamais cessé d'exister, et il est encore aujourd'hui bien présent. C'est un lieu qui est ouvert au public, vous pouvez le visiter, vous pouvez y passer quelques jours, et d'ailleurs, vous retrouverez dans la description le lien du site de l'hospice, comme ça, si vous souhaitez en savoir plus, eh bien, vous pourrez le faire directement. Mais sinon, par rapport à l'histoire de ce lieu, c'est un lieu qui a près de 1000 ans d'histoire, et surtout, il n'a jamais connu de réels drames, comme par exemple une destruction, des incendies, une révolution, etc. Ainsi, au fil du temps, c'est un lieu qui a conservé tous les objets et tous les dons qui lui ont été faits, et donc on peut retrouver énormément d'objets d'histoire et énormément d'objets ayant une importance culturelle dans ces lieux. Ainsi, il y a notamment une collection de minéraux, une collection d'objets archéologiques, une collection par exemple de fossiles ou encore de taxidermie, et même bien entendu des trésors d'église. Après, je le précise, mais il y a évidemment un musée qui est ouvert au public. Mais par rapport aux objets archéologiques, une partie n'est pas ouverte au public, et exceptionnellement, j'ai pu les filmer et surtout j'ai pu en faire une vidéo qui paraîtra bientôt sur la chaîne YouTube. Mais donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous en saurez plus par rapport à ce lieu. Bien entendu, et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche des notifications, ça me soutiendra énormément et je pourrai faire plus de projets similaires. Et bien entendu, n'oubliez pas de partager. Sur ce, et comme d'habitude, vous retrouverez le lien de mon site internet empiredesmonnaies.fr dans la description. Dessus, des centaines de monnaies sont disponibles sur la boutique, il y a des monnaies romaines, des féodales, des royales, des grecques, etc. Il y en a pour tout le monde et pour tous les budgets, donc si ça vous intéresse, c'est le premier lien dans la description. Si jamais vous êtes encore là, et bien déjà, merci beaucoup. Et puis, marquez hospice dans les commentaires, comme ça je saurai que vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, prenez soin de vous et de vos proches, et puis on se voit dans une prochaine vidéo. Allez, salut !